Titus, ordre de César. Tu es en état d'arrestation. À moi, ma garde. Allez, emmenez-le. Garde-moi. Ma garde. Il est fixe. Oh. Oh, tu tombes bien, toi. Oh ben, et il est où, mon prisonnier? C'est pas le moment. Allez, circule. Y'a rien à voir. Attends, c'est pas le temps que ça change. Il est où, mon prisonnier? Mais tu ne vois pas que je suis prisonnier moi-même. Arrêtez cet homme. C'est sûrement un complice. Ah oui. Soldat! Mais tu es l'homme qu'il me faut. Je te prends dans ma garde personnelle. Oui, mais d'abord, dites-moi où est mon prisonnier. T'en fais pas pour lui, il est très bien. Écoute, si tu m'aides à capturer César, je te nomme mon grand centurion. Capturer César? Ouais. J'ai une bonne idée, ça. Garde! César! Au nom du peuple romain, je t'arrête! Au cachot! Et qu'on le surveille nuit et jour, Ticadamus, réunis l'armée, je vais faire une déclaration! Soldats, notre chef bien-aimé Jules César vient de tomber gravement malade! Mais oui! Il m'a demandé, en attendant son rétablissement, de prendre les commandements! Vu les circonstances, je double la solde! Je vous annonce aussi la nomination du légionnaire Obelus au grade de centurion détaché à ma sécurité personnelle! Enfin, pour attirer la bienveillance de Dieu et afin qu'ils accélèrent la guérison de César, des jeux seront organisés ce soir et vous y êtes tous conviés. Et je pourrais voir mon prisonnier? Tu le verras ce soir pendant le jeu, ça te va? Très bien. Oui.